Mes amis, bonsoir, bonsoir tout le monde, que vous soyez gilet-genoux, pas merci de venir comme tous les soirs sur mon live pour l'éveil, pour l'information, pour se soutenir, pour continuer la révolution jusqu'au bout mes chers amis. Alors, comme je vais le dire comme tous les soirs, même si je n'y arrive jamais, euh, je vais essayer d'être court ce soir parce que... Euh, je suis fatigué et l'heure est tardive. Je suis certain que vous aussi vous êtes un peu fatigué, si ce n'est beaucoup. Je sais que vous restez à chaque fois pour me soutenir, pour me voir, pour qu'on puisse échanger ensemble. C'est extrêmement agréable. Donc euh, voilà, je vais essayer d'aller vite. Euh, je vous saluerai euh, tout à l'heure. Euh... Tiens, tiens, tiens. Je ne sais pas si vous avez vu. Bon, vous n'avez pas vu le message, je vous le montrerai tout à l'heure, mais je vais vous, lire à, à la, je vais vous le lire. Donc, il y a Asselineau-Jean qui me dit Veuillez cesser de suite de révéler des secrets d'État susceptibles de mettre en péril la sécurité nationale, sinon. Nous nous verrons dans l'obligation de recourir à la méthode expéditive à votre euh, rencontre. Et effectivement, il arrive à envoyer son message en premier. Donc, euh, moi, je me dis qu'il y a une collusion avec euh, Facebook. Euh, qui que vous soyez, hein, vous ne m'impressionnez pas. Euh, je suis du bon côté. Et voilà. Bon, ben, vous êtes, vous n'êtes visiblement pas le bien. Parce que moi j'estime j'estime être du bon côté et représenter euh, le bien. Vous ne m'impressionnez pas. Hein, si, si les secrets d'état, c'est euh, tout ce que je révèle tous les jours, c'est-à-dire du mensonge, de la manipulation, des meurtres, euh, parfois même de la pédophilie, hein, bon, moi je continuerai jusqu'au bout. Vous ne m'impressionnerez pas. Allez, je vous le montrerai le message tout à l'heure. Hein. Alors, je vais euh, faire 2-3 partages dans mes groupes. Hop. Et après, mes chers amis, on va démarrer. Alors, je vais aussi faire un partage. dans tous les groupes. Alors ça devient compliqué vu que j'ai plein de comptes qui sont euh, désactivés. Je dois passer par des comptes de secours. Sachez que le live d'hier a été censuré. Comme la plupart, souvent, les lives sont par la suite censurés. Ils sont particulièrement censurés sur YouTube, des fois sur Facebook. Donc hier, il y avait, rappelez-vous, il y avait, j'avais diffusé encore euh, la séquence euh, que beaucoup d'entre vous connaissent euh, concernant cohn Bendit qui aime, qui aime les, les petites filles, hein, qui le lui déboutonnent sa chemise et il trouve ça très érotique. Voilà. Donc voilà, c'est, euh, ne cherchez pas loin. Voilà pourquoi cette vidéo a été euh, censurée. Euh, allez, je mets euh, un petit coup de partage sur Twitter et après euh, je suis à vous. Hop. Voilà. Alors, je reviens sur Facebook. Je vois que vous êtes quelques-uns à être arrivés donc je mettrai hein, je mettrai je rajouterai euh, une capture parce que en plus il s'exprime il arrive à être le premier à chaque fois ou le dernier à s'exprimer euh, et après il prend la fuite sauf que euh, t'inquiète pas hein, je l'ai je l'ai tu peux prendre la fuite il n'y a pas de souci donc euh, voilà je relis son message Veuillez cesser de suite de révéler des secrets d'État susceptibles de mettre en péril la sécurité nationale, sinon, nous nous verrons dans l'obligation de recourir à la méthode expéditive à votre encontre. Voilà. Allez. Euh, alors, je vais démarrer. Ça sera des petites infos, mes chers amis, ce soir. Hein. Des petites infos, on va essayer vraiment, hein. je sais que j'y arrive pas. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à vous montrer. Le temps est malheureusement court, malgré que fait, je fais des lives extrêmement longs, eh bien ce n'est pas assez. Alors, nous avons beaucoup de retard à rattraper. Hein. Un live tous les soirs d'à peu près 2 euh, heures en moyenne, hein. des fois c'est plus. Euh, eh bien, ce n'est pas suffisant, hein. malgré en plus que je vais, j'essaie d'aller très très vite. Allez, euh, une information euh, à vous donner euh, en urgence, euh, euh, donc tout à l'heure. Voilà. Sachez qu'en ce moment même, hein, ça confirme hein, plusieurs, plusieurs euh, tendances que je vous ai données, des signaux faibles concernant la censure croissante, le système dans son ensemble qui panique. Euh, le fait de vouloir réséter, hein, c'est-à-dire en effaçant, en brûlant les livres, en remettant euh, en nous renvoyant dans le temps euh, de l'obscurité, on ne savait pas ce qui se passait là aujourd'hui, ça y est, les puzzles s'assemblent grâce à internet, on a on a on ouvert les yeux, on essaie d'ouvrir euh, les yeux des autres, mais bon le système euh, veut justement euh, euh, comment dire, le système a compris le danger d'Internet, de la liberté d'Internet. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas du tout la même liberté qu'il y a quelques années, et ça s'accélère. Hein, le verrouillage s'accélère. Ben, alors, tout ça pour vous dire, mes chers amis, qu'au moment où je vous parle, euh, c'est confirmé. Hein, J'ai plusieurs sources concordantes euh, qui me permettent de vous dire avec euh, une certitude à plus de 90%. Que euh, Twitter euh, est en train de, de subir. Hein. Enfin, on, va, on, on va leur donner la, le, le bénéfice du doute. On va dire que c'est pas intentionnel. Mais en tout cas, voilà, je vous, la, je vous la présente comme ça. Twitter est en train de subir un bug. Euh, regardez comment il se manifeste ce bug, c'est-à-dire qu'il y a des retweets et des, et des likes, des retweets et les partages qui disparaissent. Hein. Euh, en ce moment même, euh, plusieurs sources, hein, c'est sûr et certain, il euh, y a une disparition de, de partage et de, et de j'aime sur les euh, sur les tweets, sur les publications sur Twitter, signalées partout dans le monde. Voilà, mes chers amis. Donc ça, c'est sûr et certain ce que je vous dis. Hein. Euh, alors, il y a alors, hier, bon, je vous l'ai mis, hein, je crois, hein. euh, les représentants des évêques de France auditionnés au, au, au Sénat. Euh, encore une fois, il ne s'est rien passé, mais c'est pour, comme d'habitude, salir l'Église, et, et comme si, je vais dire, le, le pire n'est pas la franc-maçonnerie, qui, euh, les, les témoignages sont multiples, euh, au travers de, de, que ce soit de rituels, ou de on va dire de banquets de la haute société pratique que ce soit la pédophilie des, 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 des choses des, des actes glauques glauques il n'y a qu'à voir le témoignage des enfants du juge roche que je vous ai déjà mis par le passé ça concerne l'affaire patrice allègre plus de 250 disparitions il n'y a qu'à qu écouter les enfants du juge roche pour comprendre euh, avec certitude euh, de, de, de quoi il s'agit. Euh, alors, je voulais. Donc, il y a quelque chose euh, qui demande un petit peu de, 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 de calme et d'explication. Hein, et après, je pense qu'on sera libéré. Euh, parce que c'est <coughs> complexe. Hein. Je vous en ai parlé beaucoup, souvent. Et là, il y a eu des évolutions euh, par rapport à l'élection d'Emmanuel Macron. Hein, euh, je vous en ai parlé plusieurs fois euh, et je, à l'époque je, euh, voilà, je vous avais dit, je vous ai parlé. Donc c'est avec Muriel Pénicaud hein, euh, qui est actuellement ministre, euh, qui a eu magouille pour euh, tromper, tremper. La, la, la commission donc euh, qui s'appelle la CNCCFP qui est une commission qui contrôle les, la régularité des comptes de campagne de tous les candidats. Alors moi je connais parce que j'ai été moi-même candidat aux législati législatives 2017 et je connais leur fonctionnement. Hein. Ils épluchent chaque ligne de vos dépenses. Pour que euh, vous ne soyez pas inondé d'argent. Euh, ça a été créé dans le but, vous voyez bien, ça, ça ne fonctionne pas, dans le but que les, les personnes extrêmement fortunées ne puissent comme ça inonder tel ou tel candidat d'argent par rapport à d'autres. Donc il y a une limite, euh, etc. Et bien sachez que euh, Emmanuel Macron a réussi à tromper donc, ce système euh, en allant. Euh, il a fait euh, une comment dire une intervention à Los Angeles entre autres il n'y a, a pas eu que ça euh, l'intervention a été donc euh, déjà il était déjà ministre de, de l'économie hein. elle a été payée euh, aux frais donc euh, du contribuable et euh, bon il bah, y a eu un tour de passe passe je vous l'avais euh, expliqué je vais vous lire euh, donc je vais vous lire un peu donc, alors pourquoi euh, Muriel Pénicaud parce que c'est elle qui a organisé le, le déplacement et euh, au travers donc de de, 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 de comment dire d'une euh, euh, parce qu'elle était, euh, elle, elle était présidente, elle était directrice de Business France. Hein. C'est au travers de Business France, euh, Muriel Pénicaud, hein, qui a permis hein, ce, ce tour de passe-passe d'argent qui est parti du coup euh, sur le parti euh, En Marche de Macron, qui lui a permis d'avoir des fonds euh, pour euh, faire sa campagne et pour se faire élire. Mais vous verrez, là, je vous verrai qu'il n'y a pas que ça, mais ça, c'est une, de, une des données. Alors, il y a eu une perquisition le 20 juin dernier au siège de ce Business France et on vient d'apprendre, donc, enfin, voilà, on a appris très rapidement euh, que ça a été fructueux. Euh, ensuite, donc, là, là, il y a eu investigation sur un délit de favoritisme, recel et vol, et, euh, et donc l'enquête a été euh, sur le déplacement de Macron à, la, de, à Las Vegas a été transmise à des juges d'instruction euh, parce qu'il y a eu donc des perquisitions entre autres euh, à Business France. Bon, ça c'est la partie Las Vegas, déplacement, euh, déplacement donc de Macron à Las Vegas. Euh, tour de passe-passe avec Business France avec donc Muriel Pénicaud. Bon, maintenant on va parler d'autre chose parce qu'il n'y a pas que ça. Voilà ce qui vient de tomber. Euh, donc, deuxième partie, autre volume d'argent, autre tromperie. Donc, il y a de nombreuses irrégularités qui ont été découvertes dans les comptes de campagne d'Emmanuel Macron par la. CNCCFP. Il s'agit... Euh, donc l'information. Cette information a été révélée par Marianne. Et le, ce nom barbare CNCCFP, euh, si ça vous intéresse, c'est l'abréviation de Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Et donc... Euh, cette commission a signalé euh, le 13 février 2018 des irrégularités concernant les comptes de campagne donc de Macron et euh, elle a signalé ça au fisc et à la justice française particulièrement euh, donc elle a signalé 24 cas dont 4 qui sont très euh, très douteux, très litigieux pour un montant, tenez-vous bien, d'environ 90 000 euros. D'accord Donc euh, des donations dans le montant maximal unitaire, normalement, hein, normalement, vous ne pouvez pas donner en tant que personne plus de 4600 600 euros à un parti ou à un candidat. Hein. Donc le, le, vous avez quatre personnes, vous avez quatre comptes. vous avez quatre comptes et vous avez euh, alors il y a 20 comptes, 24 comptes il y a 4 comptes qui, euh, qui posent problème parce que là où vous êtes limité à 4600 euros là on monte hein, on monte si on fait les recoupements on monte à 90 mille euros ce qui est impossible alors l'explication je vous ai dit hein, que c'était il fallait suivre hein, c'est un peu complexe L'explication, c'est que euh, les dons euh, sont différents. Hein, c'est des personnes. Euh, hein, mais ça, ça provient des mêmes comptes bancaires. Hein, c'est là l'arnaque, elle est là. C'est-à-dire que vous avez plusieurs donateurs, mais euh, quatre comptes bancaires. Hein. Voilà, j'espère avoir été euh, assez clair. Et donc les 24, on va dire, euh, trop zélés, les 24 donateurs trop zélés qui ont été détectés, les 4 qui posent problème, n'ont pas régularisé leur situation et du coup euh, font l'objet d'un signalement au fisc et à la justice. Euh, par le passé, donc des faits similaires avaient euh, conduit à la condamnation de Robert Bourgi, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est un avocat qui avait, c'est lui qui avait contribué en, marge, en majeure partie à faire tomber euh, François Fillon euh, lors de cette même présidentielle, parce qu'il a arnaqué, comment il a arnaqué François Fillon C'est qu'il est parti en bon ami, il lui a offert de très très beaux costumes, et ensuite il l'a balancé, hein, il a donné le ticket de caisse carrément en disant « regardez les, les costumes qu'il met ». Ça, a été, euh, ça lui a été offert, hein. il prend des cadeaux, etc., en pleine campagne, alors qu'il l'a fait intentionnellement. Donc, c'est ce fameux euh, Robert Bourgi. Bon, alors, on va avancer. Euh, alors, qu'est-ce qu'on apprend Déjà, on l'avait déjà appris. Hein. Alors, suivez cette affaire parce que c'est assez complexe. Moi, j'essaye un peu de faire comme je peux je ne peux pas vous montrer euh, c'est compliqué euh, donc euh, on apprend on a appris euh, que euh, ismaël aime le lien hein, je vais vous mettre une photo comme ça on va savoir de qui on parle allez je vais vous mettre une photo à l'écran hop Bon, ça sera l'affaire de ce soir, mes chers amis. Hein. Après, on va, on va surfer très très vite sur les, les informations et, euh, et après, bon bah, je vous saluerai et on s'arrêtera. Donc, regardez. Alors, est-ce qu'on voit bien Voilà. Je vais peut-être enlever. Euh exceptionnellement mon logo voilà alors bon je vous fais pas la présentation hein. vous connaissez emmanuel macron d'accord et donc à côté vous avez le fameux euh, ismaël donc émelien et, euh, et donc le, un personnage un personnage central hein. vous allez comprendre pourquoi un personnage central donc qui est euh, le, 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 le premier euh, secrétaire donc de l'Elysée euh, un certain Alexis Koller voilà donc là ici nous avons euh, le jeune Ismaël Emélien ici nous avons Alexis Koller, Coller K-O-H-L-E -E R donc euh, c'est un personnage central. Moi je pense qu'il va sauter bientôt parce qu'il y a tout le monde qui part, tout le monde qui démissionne. Donc euh, euh, le, le Ismaël Emelian euh, a démissionné, hein, a démissionné. Et il y a eu une autre personne donc qui a démissionné. Je vais vous dire son nom. Voilà, pour, il y a eu des, beaucoup de choses. Hein. C'est assez complexe à comprendre. Donc l'autre personne qui a démissionné c'est un, un, un encore plus jeune il s'appelle euh, David Amiel 26 ans bon il, a, il est passé par Princeton et, euh, et donc euh, il part pour le même motif que euh, Ismaël euh, Emelian donc euh, alors je vais vous mettre peut-être sa photo à lui aussi Hop. voilà et donc vingt-six euh, ans et euh, il part pour les mêmes motifs donc que ismaël emelian il était euh, lui chargé D'être euh, Project Management Office, PMO, de euh, d'Alexis Coller. Donc vous voyez deux, euh, deux assistants, on va dire entre guillemets, d'Alexis Coller qui démissionnent à quoi, quelques jours, à quelques heures d'intervalle, même pas. Hein. Il y en a un qui démissionne euh, le, le, le lundi et l'autre euh, le, le mardi ou le dimanche, je ne me rappelle plus, et l'autre le, le mardi. Euh, donc voilà, je, je, il est évident que Alexis Colère euh, va, va suivre, à mon avis, euh, rapidement. Voilà, Alexis Colère qui est euh, le secrétaire de l'Élysée. Voilà. Et donc là, vous avez euh, donc Ismaël euh, Emelien qui a été le premier à démissionner. Alors, il faut savoir une information très importante que les médias se gardent de, euh, de données que je vous ai donné le soir même où je vous ai signalé donc le, le, cette démission euh, et qui cette information euh, est volontairement passée euh, sous euh, silence par les merdias Sachez que euh, donc Ismaël Emelian a été en 2013 euh, chargé de la il a fait partie de l'équipe de Havas, Havas est une société donc de, de, de conseils de, en communication de publicité euh, il a été donc il faisait il a fait euh, partie de l'équipe de Havas chargée de la communication devinez de qui de Nicolas Maduro euh, actuel président du Venezuela donc il a fait ça euh, juste après la mort donc euh, de Chavez hein. et euh, et maintenant que vous, vous pouvez faire le lien avec ce qui se passe actuellement au Venezuela, et on est en train de se débarrasser des patates chaudes ou alors des personnes gênantes qui avaient contribué à l'époque à, à, à aider à faire élire Nicolas Maduro à la mort de Chavez, et sachant qu'aujourd'hui, le régime, l'Empire, les États-Unis, etc., la, la, le bras... Le, le représentant français euh, s'est aligné donc sur l'Empire, sur les États-Unis, et euh, il reconnaît, le, 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 il reconnaît le, le, le président autoproclamé qui n'est pas légitime hein, Guaido, euh, et veut se débarrasser de Maduro. Donc vous comprenez euh, quand on, on essaye d'éviter de, des scandales avec euh, en ayant dans son équipe au moins une personne qui a été chargée de faire élire le président euh, Maduro, qu'aujourd'hui on essaie de nous faire passer pour le, le, le plus grand salopard de la Terre, euh, comment on aurait tant pu justifier la présence de, dans l'équipe de Macron de quelqu'un qui a tout fait pour le faire élire. Bon, je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais, euh, mais c'est à, <laughs> à peu près ça. Vous rembobinerez euh, si euh, vous le euh, voulez. Euh, alors, euh, autre fait, il hein, n'y a pas que ça. Bonjour, bon, ça, je suis Elsa. c'est la pub. J'avais pas. d'avoir créé alors, entreprise qui intervienne en innovation. Bon. alors je vais vous mettre un article à l'écran. Euh, vous verrez qu'il y a aussi un autre euh, élément gênant hein, qui fait ce, ces départs précipités. Vous allez comprendre. Alors, l'autre événement gênant, il est là. On va y arriver, mes chers amis. Et après, je vous montrerai aussi un câble. Vous vous rappelez, je vous ai toujours parlé euh, de câbles euh, de, de scandaleux. Bon, Moi-même, je les Et ai. Elle va... Bon, super, elle est finie la pub. Vous savez, il y a eu une fuite pendant la campagne de Macron. À peu près 10 gigas de mails qui ont été, euh, on va dire, euh, hackés euh, de toute l'équipe de campagne de Macron qui renferme beaucoup de choses très très intéressantes dans le discours de Macron devant euh, la maçonnerie toutes les magouilles on, on voit aussi des, 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 des comment dire des échanges sur sur euh, sur des dosettes sur etc et donc là je vous montrerai un câble tout à l'heure justement entre euh, un mail euh, échangé envoyé de alexis colère c'est pour ça que je prédis que Alexis Colère va lui aussi le pre, le secrétaire de l'Elysée ne va pas pouvoir rester hein. euh, voilà allez je, alors à l'écran, je, je vous ai mis un article et après je vous montre le câble, le mail. Hein. Euh, Peut-être certains le connaissent déjà, mais là qui prend tout son sens ce mail. Voilà, alors là on est sur l'Express, euh, l'Elysée, donc démission du conseiller euh, spécial euh, Ismaël Amélien. Bon, bah tout ça on a vu, je vous en ai parlé. Euh, mais euh, ce qui nous intéresse alors il a fait un livre il a fait un livre donc euh, avec quelqu'un euh, ils ont il l'ont fait avec deux personnes hein. et donc euh, le livre alors il est où Voilà, donc c'est là, le livre est, est... Lui il dit que c'est à cause du livre et que... Voilà, il part, il dit mon départ correspond à une nouvelle étape dans mon engagement. Il s'agirait d'un livre sur le progressisme euh, qu'il co-signe donc. Et euh, le chef de l'État interdit... C'est conseillé de publier pendant, pendant qu'ils sont en poste à l'Elysée. Voilà, euh, la, la petite excuse c'est ça c'est que euh, vu que, euh, il, il y a un livre qui paraît qu'il co-signe, c'est un élément suffisant pour qu'il parte. Vous voyez comment il noie le poisson. Alors voilà, regardez, regardez, c'est ça l'élément que je voulais vous montrer. Euh, le jeune homme a vu son nom euh, ressurgir dans euh, des articles sur Alexandre euh, Benalla en juillet 2018. Il est soupçonné par les enquêteurs d'être celui qui aurait réceptionné les fameux CD contenant les images des euh, violences du 1er mai, donc à la place de la Contrescarpe. Vous vous rappelez lorsque euh, Alexandre Benalla est parti récupérer les bandes, eh bien... Euh, ce fameux donc Ismaël Emelian et euh, aurait réceptionné les fameux cd hein. peut-être même que il aurait c'est lui qui aurait euh, donné l'ordre hein. ou le, le, il aurait demandé fait la demande donc voilà là vous avez euh, le livre qui est coécrit avec euh, David Amiel. Donc, euh, David Amiel. Alors, elle est où Hop. Il est où David Amiel Voilà, il est là. Donc, David Amiel, qui, euh, je vous rappelle, euh, vient, vient c'est le dernier à démissionner actuellement, donc 26 ans, il vient de démissionner. Les deux euh, écrivent un livre et s'en servent d'excuses pour partir, pour démissionner. Voilà mon analyse à moi. Alors, on va aller euh, jusqu'au bout pour finir. Je vais vous montrer, donc, parce que je prédis, je vais dire, ce serait logique que le premier euh, que le secrétaire de l'Elysée euh, ne puisse plus tenir hein, donc euh, à son poste hein. c'est tout à fait logique en tout cas il euh, y a beaucoup euh, beaucoup de d'échanges hein, beaucoup il est de bourdes mais là je vais vous montrer le, le, un, un email donc que je, je vous ai signalé regardez je vous mets ça à l'écran c'est bien, vous m'entendez parce que vous ne mettez pas des petits bonhommes mécontents. Alors regardez euh, ce mail. Sans équivoque. Hop. Donc j'espère que vous avez retenu. Je sais que c'est complexe parce qu'il y a beaucoup de noms à retenir. J'espère que vous avez retenu qui est qui. Hein. Donc regardez le mail. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, le mail, allez on va descendre encore, regardez. Le mail, vous voyez from. From ça veut dire euh, c'est l'expéditeur. L'expéditeur c'est alexis.color at et tout tout c'est le destinataire. Les destinataires, bon ben, je vous en ai, je vous ai assez cité euh, son nom pour que vous voyez de qui il s'agit. Donc ismaël.emelien Alexis Collère, donc le secrétaire de l'Élysée, envoie un mail à Ismaël Emelien, donc 31 ans, qui aurait demandé à Benalla de lui rapporter et qui a réceptionné en tout cas les CD des images de surveillance de l'incident à la place de la Contrescarpe. Voilà. Donc là, je pense qui a coécrit un livre avec un autre personnage et qui ce qui leur donne une excuse pour partir. Donc voilà, ce mail. Alexis colère, envoie à Ismaël et il lui écrit. Donc euh, alors l'objet c'est signal, signal, euh, signal et urgent. Kali, je pense que c'est assez complet. J'identifie les quelques lacunes suivantes. Sur le travail, c'est vraiment la deuxième question la plus importante car au bout du compte, regardez ça en jaune, au bout du compte, l'essentiel est de savoir si les Français sont effectivement convaincus que mieux vaut des travailleurs pauvres que des chômeurs bien indemnisés et que l'emploi est clé pour préserver les perspectives d'intégration, euh, de mobilité sociale on peut faire un tri dans les autres je pense. D'accord Là vous avez en, en, en bas c'est rappeler qui est qui hein, malgré que je vous l'ai dit. Donc voilà ce qui est euh, ce qui est incroyable, c'est ce qui est en jaune. Hein. Regardez, c'est-à-dire que nous, nous voulons nous en sortir, et pour eux, euh, l'essentiel est de savoir s'ils vont nous la mettre à l'envers, euh, c'est-à-dire est-ce que euh, nous... Voulant être des travailleurs pauvres ou euh, des chômeurs bien indemnisés, voilà le choix qui, 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 ne, qui, qui nous est offert. Et moi personnellement, hein, je vous dis, euh, je vais dire, plutôt que l'esclavage, si on peut être payé pareil, autant être chômeur bien indemnisé entre nous. Hein. Mais euh, visiblement, eux, euh, ils, veulent, ils, ils ne veulent pas de cette, de cette possibilité, ils préfèrent plutôt travailleurs pauvres parce que. Il rajoute en disant l'emploi et que l'emploi est clé pour préserver les perspectives d'intégration. Donc voilà, ils, y tu, ils vont utiliser ce que tous les gouvernements utilisent, que l'emploi le, c'est mieux que le chômage, parce que ça permet d'intégrer de, de, la société, d'être utile. Et là, bon, bah, ils rajoutent eux mobilité sociale. Ils nous font croire que nous... Nous, euh, nous, nous, sommes, euh, euh, nous avons une chance de, 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 de monter, de, de, de nous épanouir. Chirac disait déjà l'ascenseur social. Donc voilà, c'est ça la mobilité sociale. Et que on, euh, le, si on n'a pas donc de, de travail, peu importe combien il est payé, on ne peut pas s'intégrer euh, en tant que citoyen ou ou euh, personne euh, utile dans la société. Voilà, le, le, voilà moi ce que euh, comment je, je, je vois euh, ce qui est euh, donc écrit sous mes yeux. Allez mes amis euh, alors est-ce que on a fini sur ça ou est-ce qu'on passe sur autre chose? Alors moi je considère bien entendu que vaut mieux notre liberté. Hein. Euh, la meilleure des choses qui puisse nous arriver à tous, hein, c'est euh, le revenu universel, hein, parce que être utile à la société, vous pouvez l'être hein, sans aller pointer tous les jours dans un endroit où vous n'êtes pas heureux, où on vous met en compétition avec vos autres frères et sœurs. Vous pouvez, on peut, je vous assure, hein, si vous regardez. Moi, je ne suis pas payé, je suis, je suis là devant vous tous les jours, même sans jour de repos, mais parce que je sais que c'est utile ce que je fais, je suis convaincu de ce que je fais, je sais que je donne et je sais que beaucoup d'entre vous, hein, vous me le rendez, hein, ne serait-ce que quand vous venez, vous me parlez, vous, vous me dites de continuer, vous avez peur pour moi lorsque vous voyez le, le type de menaces que je reçois, donc pourquoi ils veulent nous faire croire que demain. Si nous pouvons tous vivre sans être obligés d'aller chercher à survivre, de travailler dans des boulots euh, euh, d'esclaves, d'exploiter euh, pour un tarif extrêmement bas, euh, pourquoi euh, ils, nous, ils veulent nous faire croire que c'est le seul moyen pour qu'on soit utile les uns aux autres hein, C'est ça la société, hein, c'est une combinaison de plusieurs personnes. Pourquoi ils veulent nous faire croire que c'est le seul moyen euh, pour qu'on soit euh, solidaire, qu'on euh, euh, qu se rende service les uns les autres, qu'on soit productif C'est faux, hein, c'est totalement faux. Euh, chacun, lorsqu'il se retrouve libre, peut apporter sa pièce, sa pierre à l'édifice selon son bon vouloir, et selon sa capacité, et selon sa disponibilité. Le monde tournera euh, au moins pareil, mais moi, d'après moi, mieux. Euh, L'idée, c'est que le revenu universel, euh, donc ce serait... Parce qu'il euh, y a quelqu'un qui m'a posé la question aujourd'hui, je ne sais pas si tu es là. Euh, je crois que c'était Claudine. Donc, le revenu universel, l'idée c'est de verser à tous les Français, à définir l'âge de début, hein, et on peut partir sur 18 ans, à partir de 18 ans, sans aucune condition, peu importe ce que vous gagnez, une somme égale à tous les Français jusqu'au jusqu décès. D'accord Et ceci ne coûtera pas 1 euro euh, aux dépenses de l'État. Pourquoi Parce que on prend toutes les aides existantes hein, l'APL on prend le la location chômage on prend euh, la CAF pour les enfants euh, on prend tout ça toutes les aides on les mutualise et on ressort il, il en ressort une somme euh, égale pour chaque français donc ça ne coûtera pas un euro de plus euh, aussi donc tous les organismes qui distribuaient ces aides, où il fallait contrôler des dossiers, monter des dossiers, etc. On supprime ces organismes, c'est-à-dire on n'a plus de Caf, on n'a plus il y a plein d'organismes, les, les, les centres d'action sociale tout ça, en tout cas qui s'occupaient de, de l'aspect financier, tout ça supprimé. Euh, pareillement, euh, le fait de, il y a des personnes, c'est compliqué pour elles, elles savent pas, etc qui ne, qui vont jamais faire le dossier qu'il faut, elles vont passer à côté des aides pourtant qui leur étaient destinées, d'une part. Et vous avez des personnes qui vont, euh, en, qui vont tricher, qui vont demander plusieurs fois euh, l'aide alors qu'ils, peut-être ils en ont pas droit même une seule fois. Euh, entre, je prends, je prends une petite parenthèse. Hein, sachez que Marlène Schiappa hein, avait donné euh, conseil hein, sur. Euh, avant qu'elle soit ministre avait, avait conseillé comment euh, comment frauder la caf hein. elle avait donné des conseils lorsque vous êtes euh, lorsque vous êtes une, une maman comment euh, comment frauder la caf euh, pour, pas, euh, pour pas pour pas pour avoir l'aide hein, pour avoir les aides hein. j'ai pensé comme ça en passant euh, donc pour éviter euh, tout ce carcan qui euh, n'a pas demandé l'aide, qui a triché, etc. Actuellement, on se base sur des contrôles, des inspecteurs, etc. Ben là, on, on gagnerait sur tout ça. C'est ré réglé. Il ne peut pas y avoir de triche. Hein. C'est une personne, un compte bancaire. C'est clair et net. Hein. On, on se baserait donc sur les services euh, fiscaux hein, pour identifier les personnes, euh, euh, on va dire les foyers fiscaux, les personnes... Euh, française, résidant en France, etc. Aujourd'hui, tout est connecté. Donc, on gagnerait sur tout ça. On gagnerait sur la paperasse, on gagnerait sur les contrôles, on gagne nous-mêmes, ça nous fait moins de dossiers, etc. Bon. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer Alors, chacun et chacune touche l'aide. Les personnes qui sont dans un mauvais emploi, qui ne sont pas heureuses, etc. Je vous assure, elles partiraient immédiatement. Et ceci libérerait donc de la place sur le marché de travail. Du coup, euh, on inverserait la tendance avec le capital. Du coup, les conditions salariales mécaniquement vont s'améliorer parce que. Le capital va trouver moins de viviers de main d'œuvre pour faire des sales boulots. Hein. Du coup, il va améliorer les conditions de travail des sales boulots. Il va augmenter les, les, les salaires. Il va essayer de fidéliser les personnes qui, qui veulent bosser. Ça va être les personnes jeunes. Hein. Ça va équilibrer toute la société. Hein. Les personnes jeunes, généralement, ont cette niaque, cette envie, cette ambition de réussir, etc. Bon, ben, C'est elles qui vont avoir non seulement le revenu universel, mais en plus euh, le, le, le revenu du travail, ce qui leur fera un, un beau, un, de beaux revenus, d'accord Et les personnes, donc, comme votre serviteur, comme plein d'entre vous, qui ont, ont compris qu'on euh, peut vivre très, très heureux sans euh, aller euh, euh, s'enfermer tous les jours dans un lieu euh, pour subir stress, euh, compétition entre collègues, énervement, euh, transport, hein, on gagnerait tous sur le transport, euh, vivre en ville obligatoirement parce que le travail ailleurs est, est, est plus rare. Euh, voilà, si vous faites votre calcul, il vaut mieux avoir le revenu universel, combien même il soit euh, bas, plutôt que d'aller euh, tous au même endroit. Euh, avec les bouchons etc l'essence et tout s'entretuer les uns les autres pour euh, alors que ce n'est pas nécessaire encore une fois je viens de vous le dire ça ne coûtera pas un euro de plus si on mutualise toutes les aides on peut distribuer un revenu universel à chacun et chacune et sans faire de contrôle on simplifie tout d'autre part ce revenu il peut aller en augmentant hein, exponentielle, exponentiellement. Pourquoi Parce que on, on rajoutera par la suite ce qu'on appelle la taxe sur les robots. Hein. Le, alors, si on part sur ce, juste ce que je vous ai dit, hein, les aides on mutualise, on supprime euh, les contrôles, les organismes, etc., ça a été calculé. Hein, on partirait sur minimum 800 euros par personne en France, minimum. Hein. Là, c'est vraiment. On touche à rien, on n'a euh, aucune euh, rentrée euh, financière supplémentaire. Mais alors là, après, si on, on continue, donc il s'agit euh, de taxer les robots, de taxer tout ce qui est machine euh, automatique. Ça peut être demain, ça peut être les camions, euh, parce qu'on est en train de mettre ça en place, les camions de, de marchandises qui vont être entièrement. Euh, commandé par, par GPS c'est déjà aujourd'hui votre serviteur, j'ai été conducteur de métro d'ailleurs il m'en fait un espèce de diplôme parce que j'ai euh, été présent lors de, du passage de la ligne 1 du métro vous connaissez, hein, la plupart d'entre vous qui part de la Défense jusqu'à euh, Château de Vincennes, Porte de Vincennes, Château de Vincennes et eh bien euh, cette ligne j'ai conduit dessus et petit à petit, j'ai vu des collègues partir et des rames automatiques arriver. Même des fois, on a l'habitude de se saluer comme ça quand on se croise avec des collègues. Et puis petit à petit, je levais la main comme ça et je voyais que c'était des voyageurs qui me regardaient comme ça. Euh, voilà, bon, ben ça c'est pour la petite anecdote. Donc à la fin, je, 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 je ne saluais plus parce qu'il y avait plus d'automatiques que de personnes physiques. Bon. Ça, c'était pour la petite anecdote. Mais c'est des exemples comme ça. Là, ces rames-là, elles ont pris la place de beaucoup de conducteurs parce que les rames, elles tournent toute la journée, elles n'ont pas besoin de repos. Et que les conducteurs, il en fallait, donc pour euh, occuper la place d'une rame, il en fallait minimum 3 par jour, si ce n'est pas 4 ou 5, parce qu'il fallait, il faut, c'est normal, nous sommes des êtres humains, il faut prévoir les absences, les maladies, les congés, etc. Donc il faut imaginer 5 personnes qui ont sauté euh, à cause d'une seule rame. Hein. Sachez qu'il y en a à peu près aux alentours de 70. Qui tourne par jour. Donc, imaginez, faites le calcul. Là, il ne s'agit pas de récupérer euh, l'entière euh, économie. Hein, si là, si on part par exemple sur cinq personnes par rame on peut se contenter d'une taxe qui euh, qui, euh, qui représenterait une seule personne sur cinq. Ce, ce, franchement, ce n'est pas beaucoup. Hein et on arrêtera du coup de se euh, retrouver en concurrence avec les machines on, on les accueillera avec bonheur on accueillera tout ce qui est euh, évolution te technologique tout ce qui est euh donc nouvelle euh, automatisation euh, avec euh, les applaudissements parce qu'on sait que c'est ça va nous ramener de l'argent à nous hein, ça va augmenter notre revenu universel hein. donc voilà ça va être un cercle vertueux mais absolument phénoménal pour tout le monde autre chose euh, lorsque chacun et chacune d'entre nous là aujourd'hui on a les revenus qu'on a hein, peu importe si on est on a des aides ou si on travaille etc imaginez demain on vous dit et eh bien à partir d'aujourd'hui euh, tout ce que vous gagnez et eh bien vous rajoutez par-dessus allez, 1000 euros par mois chacun et chacune d'entre vous alors qu'on n'a pas prévu cet argent hein. on n'a pas prévu on est tous ric-rac, on a nos no crédits euh, euh, nos frais euh, no, no, nos abonnements euh, voilà imaginez on vous dit vous avez sûr et certain 1000 euros supplémentaires tous les mois qu'est ce qui va se passer tous les achats qu'on n'a on a, on a pas cessé de, de reporter, toutes les choses, de, 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 le confort les, les, dont on s'est privé hein, d'aller, euh, comme j'entends beaucoup dire, mais bon c'est pas une fin en soi, mais d'aller par exemple au resto euh, plus que euh, d'habitude d'aller acheter le, le fameux portable ou écran plat ou ordinateur. Tiens, c'était Noah, je crois, qui, qui disait qu'il a trouvé un bon ordinateur, qu'il aimerait bien l'acheter. Donc d'aller s'offrir un ordinateur, d'aller, euh, je ne sais pas moi, euh, pourquoi pas aussi s'offrir la, la maison de ses rêves ou l'appartement de ses rêves, hein, parce que vous imaginez, lorsque vous gagnez d'un coup 1000 euros de plus par mois, là où vous rentriez avant... Dans euh, aucun plan de financement, là tout de suite vous avez les moyens. Hein. Bon, ça va être phénoménal hein, pour toute la France. Tout le monde va, va en bénéficier. Et donc, euh, le fait que chacun euh, va augmenter, on va dire, euh, ses dépenses, hein, chacun va. va euh, Qu'est-ce que ça va amener Ça va être bénéfique à tout le circuit économique. Ça veut dire que le monde de, de, de la branche de l'immobilier va en bénéficier. Ils vont se mettre à vouloir embaucher euh, des personnes supplémentaires. Je vous rappelle qu'il y a d'autres personnes qui euh, ne, ont libéré des places sur le marché du travail. Donc on va avoir d'un côté euh, des travailleurs, euh, je veux dire un nombre de travailleurs qui va baisser. De demandeurs d'emploi, pardon, un nombre de demandeurs d'emploi qui va baisser et, euh, et même des emplois qui vont se libérer, des, donc des offres d'emploi qui vont augmenter. Hein. Et de l'autre côté, euh, nous avons le fait que la demande augmente, la dépense augmente, que vous, lorsque vous allez au resto, donc on a besoin de plus de, euh, de personnel, et lorsque vous allez tous chez Darty, parce que vous voulez euh, vous offrir le téléphone ou l'ordinateur ou l'écran plat, bien, il y aura besoin aussi de plus de personnes, que ce soit dans la logistique, euh, dans, les, euh, dans, dans les vendeurs, etc. Mais c'est après c'est toute l'économie qui va qui va subir donc cette forte euh, on va dire euh, synergie. Cette, cette, cette surchauffe, cette surchauffe économique. Et donc, il y aura une demande d'embauche très très forte hein, pour suivre euh, cette, cette activité économique qui va exploser. Hein. Et, et donc, donc, les deux vont faire que, euh, vu qu'il y a beaucoup trop euh, d'offres d'emploi pour un nombre euh, moindre euh, de en diminution en plus de demandeurs d'emploi, mécaniquement, les emplois vont s'améliorer. Mécaniquement, les patrons vont euh, peut-être baisser la durée euh, du travail pour attirer, euh, peut-être offrir des avantages qu'avant ils n'avaient jamais pensé à offrir, avantages en nature ou autre, et à coup sûr, à coup sûr, ils vont augmenter, vouloir augmenter les salaires, pour malgré tout valoriser hein, le, 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 le poste de, de travail qu'ils proposent. Voilà, ils vont essayer de ne pas s'aligner en tout cas sur, la, euh, sur le, 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 le revenu universel parce qu'ils savent que finalement euh, ce ne serait pas intéressant. Voilà mes chers amis, ça c'était pour la petite explication. Claudine, je ne sais pas si es, tu étais présente, mais tu m'avais demandé euh, qu'est-ce que ce serait le revenu universel. Euh, bon, bah tu regarderas en replay euh, le cas échéant. Euh, mes amis, allez, on va. Euh, franchement, je suis content qu'on ait passé parce que c'était pas évident donc à, à faire le tour euh, sur le cas donc de Ismaël Emélien et Alexis Colère. C'est assez complexe. Donc voilà. Euh, on est passé sur ça très bien. Donc les petites infos très rapidement. Hein. Il y a deux hommes qui ont été arrêtés de 23 et 36 ans, euh, déjà connus de la police et placés en garde à vue parce qu'ils ont un lien avec euh, euh, l'attentat le, 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 de Magnanville en ville. Vous savez, les... Les, les deux policiers euh, tués euh, qui s'appellent Jean-Baptiste Salvin et euh, Jessica Schneider euh, alors l'un des deux hommes qui viennent d'être arrêtés a, un, a eu le fameux contentieux avec Jean-Baptiste Salvin euh, suite à une perquisition donc qui ils lui ont voulu pour une perquisition apparemment qui s'est mal passée voilà, parce qu'on avait entendu parler de la perquisition et eh bien sachez que ce n'est pas comme on nous a euh, fait croire par BFM TV compagnie ce n'est pas l'assaillant ce n'est pas le tueur qui a qui avait qui n'avait pas digéré euh, la perquisition qui lui qui, qui lui a été faite donc par le policier mais euh, donc c'est quelqu'un d'autre hein, qui euh, qui a donc filé les informations personnelles sur le, le couple quelqu'un dégris, quelqu'un qui euh, n'a pas n'avait pas digéré une perquisition euh, le boulanger je vous, je vous ai donné euh, donc tout à l'heure l'information je vous la répète euh, donc il a un boulanger qui a refusé l'entrée euh, à un policier armé dans sa boulangerie lors de l'acte 12. Euh, a été mis en garde à vue pour refus de vente et outrage. Donc c'était le 2 février qu'il avait refusé euh, l'entrée. Euh, alors, euh, les chiffres, bon, parce que... Alors il y a eu 1796 condamnations euh, par la justice, euh, donc contre des gilets jaunes. Et, et en plus, 1422 personnes sont en attente de euh, jugement. Donc, bon, euh, il y a eu 1300 comparitions immédiates. Là, vous voyez qu'ils s'agitent, ils arrêtent un peu tout le monde, etc. Euh, le système panique, hein, ça, se, ça se ressent, ça se perçoit. Ils veulent aussi euh, transmettre un message, un message de peur. Regardez comment personne ne nous échappe, on ne vous attrape pas aujourd'hui, on va vous attraper dans, dans deux semaines, vous inquiétez pas, euh, vaut mieux que vous n'alliez pas manifester. Le message, c'est toujours ce message, moi j'appelle ça pas, je ne peux pas appeler ça autrement, c'est un message de terrorisme. Et qu'est-ce qu'on nous a toujours appris Lorsqu'il y a du terrorisme, eh bien qu'il faut pas céder au terrorisme, et donc il faut sortir encore plus nombreux, même ceux qui ne sont jamais sortis, ils sortent pour soutenir tous ceux qui sont terrorisés pour les empêcher de sortir. Hein On nous a toujours appris ça, non Alors il y avait euh, donc un convoyeur de fonds qui, a, qui avait disparu avec plus de 3 millions d'euros. Euh, euh, il avait laissé euh, donc euh, le, le, le fourgon Loomis euh, et ses collègues, a, en, il les a plantés à Aubervilliers, il s'est tiré. Euh, et donc, euh, euh, il s'appelle Adrien Derbé, Derbez, Derbé. Il est né le 17 septembre 91 à Marseille, et tout ça pour vous dire qu'il euh, il vient d'être interpellé un mien tout à l'heure il ya quelques il ya quelques heures il s'est fait interpeller à un mien euh, parce que lundi à 6 heures du matin il avait disparu il avait planté ses collègues à aubervilliers il avait disparu avec plus de 3 millions d'euros on va voir si l'argent alors euh, crespo mara là j'ai pas mis de vidéo au moins je sais que le live de ce soir ne sera pas censuré, parce que là, donc il y a une vidéo de Crespo Mara, mais je ne vais pas vous la, vous la mettre. Euh, mais sachez que voilà, la menace, euh, le, le bluff, le bluff, hein, c'est des, des bluffeurs. Hein. Sachez que François de Rugy affirme que euh, le, il va remettre la taxe carbone euh, sur la table si euh, si si, euh, si on veut pas débattre avec lui hein. vu que tout le monde a lui a claqué la porte et que personne ne veut débattre avec, avec eux ils font leur débat entre eux donc il a dit euh, le retour de la taxe carbone est sur la table c'est le moment ou jamais d'en débattre voilà il veut il veut donc il bluffe il veut euh, comment dire faire pression hein. Il veut influencer le mouvement des gilets jaunes. Alors sachez, bah, je vous l'ai dit tout à l'heure, que vous verrez demain dans euh, l'édition du Canard enchaîné que euh, aussi, je vous en ai parlé tout à l'heure, de Havas. Havas. Hein, vous savez cette agence de pub, de communication par laquelle est passé donc le fameux. Euh, alors comment il s'appelle? Alors son nom m'échappe. Voilà, c'est euh, Ismaël Emelien. Ismaël Emelien est passé euh, donc par Havas. Et il a fait partie de l'équipe chargée de la communication de Maduro, le président du Venezuela pendant la campagne présidentielle. Et euh, donc L'information que vous verrez à partir de demain dans le canard enchaîné, c'est que Havas même, Havas même a été mis en examen Havas, dans le cadre donc du déplacement polémique de Macron à Las Vegas. Vous voyez qu'il y a deux sujets différents, dans les deux, il y a Avas, il y a Emelien, donc Ismaël avec Maduro et il y a aussi euh, l'autre le déplacement à Las Vegas donc de Macron et cette fois-ci avec Muriel Pénicaud, hein, l'affaire Business France. Voilà, Avas est donc impliqué dans les deux, dans les deux affaires. Avas a bien euh, servi Macron. Avas a bien euh, a bien fonctionné pour euh, le financement de la campagne de Macron pour contourner. Les, les, les contrôles hein, qui ont été mis en place pour tous les candidats qui imposent une, une limite hein, dans, les, dans les donations. Allez, il euh, y avait une information importante que je voulais vous donner. Ah voilà. Eh bien, sachez, sachez, tiens, voyez bien, euh, ce n'est pas eux qui défendent. Ce n'est pas eux qui défendent les femmes. Ce n'est pas ces gouvernants hein, qui défendent les, les femmes. Hein. Ils font semblant de défendre femmes, hommes, enfin femmes plutôt, femmes homosexuelles, juifs euh, contre l'antisémitisme, euh, travailleurs. Euh, ils font semblant de faire tout ça. Hein. En réalité, euh, c'est eux, hein, c'est eux les pires bourreaux. Et euh, je vais vous le prouver encore. Regardez ce que un syndicat de police donc a dénoncé. Hein. Regardez, je vous mets ça à l'écran. Alors bon, ça reste un syndicat. Hein. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe, hein, beaucoup. Mais ce qui, est, ce qui compte, c'est l'information contenue. Et eh bien, c'est euh, Vigi, euh, le syndicat Vigi, Vigi Police. Alors pour euh, le, le syndicat Vigi Police. Castaner aurait couvert des agressions sexuelles au sein de la police nationale. Regardez, c'est eux qui le disent. Je vous mets ça à l'écran. Voilà, on va regarder ensemble. Donc là, on est sur le site de Wigi. Euh, regardez, c'est eux, donc ils s'adressent directement. Monsieur, 15, monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, a couvert des agressions sexuelles au sein de la police nationale. EII. Ils ne tournent pas autour du pot, hein. ils disent clairement. Voilà. Alors, je vais vous lire. Monsieur le ministre de l'Intérieur a été informé dès le 24 octobre 2018 sur des agissements du docteur Frey, qui a été placé en garde à vue et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer pour agression sexuelle sur des jeunes collègues. Monsieur le ministre de l'Intérieur a choisi de défendre la hiérarchie en la personne du médecin inspecteur régional, le docteur Frey. Donc là, vous voyez, régional, il euh, y, y a un E en trop. Donc ces régionales sont E. Il a fait le choix de laisser M. Eric Morvan, directeur général de la police nationale, qui lui aussi a couvert les agressions sexuelles de ce médecin envoyé, donc là c'est envoyé, c'est pas ER normalement, envoyer notre euh, secrétaire général Alexandre Langlois en conseil de discipline le 20 février 2019, entre autres, pour avoir dénoncé de telles pratiques un hein, dénoncer c'est pas ER non plus qu'il faut l'écrire euh, il a laissé le docteur Frey envoyer donc envoyer là du coup il faut mettre ER il a laissé le docteur Frey envoyer Alexandre Langlois au TGI de Metz, de Metz le 28 euh, février 2019 euh, alors euh, comment est-ce possible ça donc là, je ne rêve pas, on est le 13 février 2019. Et eux, ils mettent le 28 février 2019. Bon. Peut-être, ils voulaient dire, à vérifier, hein, 2018, peut-être. Bon. Donc, euh, pour diffamation, avec... Euh, peut-être, c'est à venir. Hein, peut-être, c'est une audience à venir. Hein, hein. Peut-être, c'est une audience à venir, donc le 28 février. Ok, avec un tel management euh, qui couvre. Couvre, c'est sans le ENT, hein, qui couvre tous les agissements euh, délictueux de la hiérarchie policière, pas étonnant que nos collègues se suicident. Déjà 11 en 2019, et là, regardez, ils mettent un chiffrage. Donc, nombre de suicides dans la police nationale depuis leur prise de fonction, vous voyez, depuis la prise de fonction de Castaner, il y a 21 suicides déjà là on a 11 depuis début 2019. Il y a 21 suicides au total depuis Castaner, 61 suicides au total depuis lui, ça doit être le patron de la police, il, il est tout le temps sur toutes les sur toutes les photos et depuis Macron, il y a euh, 79 suicides. Donc, euh, nous demandons une nouvelle fois la démission immédiate de M. Castaner et de M. Morvan. Donc, ça doit être le M. Morvan ici. Euh, et là, regardez, c'est intéressant. Nous espérons que Mme Marlène Schiappa, euh, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-femmes et de la lutte contre les discriminations, nous soutiendra et ne fera pas passer des intérêts partisans avant la souffrance de nos collègues et là j'ai envie de rajouter de nos collègues femmes. Voilà. Euh, ne pas empêcher le crime quand on le peut, c'est de c'est l'ordonner soi-même. Voilà. Cette information elle est passée. Allez, on va passer à autre chose et je pense qu'on va on va pas durer parce que euh, nous sommes tous fatigués et euh, qui de toute façon il y a tellement de choses à, à dire. Alors tout à l'heure, il y a eu quelqu'un qui a été blessé au couteau, à un jeune de 20 ans, euh, dans la vieille cité de, de à Jérusalem. Hein. Tout à l'heure. Il y a un... Pendant que Trump donnait un discours où, comme d'habitude, il cognait sur les, les merdias, il y a un de ses supporters qui s'est qui pris à un journaliste BBC News et on voit donc le, le, qu'il filme puis il tombe, etc. Bon, ça, je vais pas à vous montrer la, la vidéo, par, pareil, hein, ça va me couper le live. Euh, tenez, allez, on finit sur ça parce que ça c'est très intéressant. Euh, je vous mets un article. Euh, c'est très important et on finit sur ça, les amis. Allez, un article et on finit sur ça. Hop. Alors, c'est un article qui est passé donc sur Spoutnik. Regardez voir. Donc concernant l'incendie qui a été bien, bien relayé dans les merdias, même de trop, pour éclipser les gilets jaunes, pour les, pourquoi pas, les diaboliser, eh bien, sachez qu'il y a beaucoup de zones d'ombre euh, dans cet incendie. D'ailleurs, déjà, déjà regardez la fermette hein, quand vous connaissez le, 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 les, le personnage, euh, donc Richard Ferrand, hein, président de l'Assemblée euh, nationale. Euh, vous voyez la fermette hein, qu'il avait. Et donc il a déposer plainte pour dénoncer un acte grave et les enquêteurs s'interrogent effectivement entre autres sur l'absence de revendication hein, déjà on a un incendie on ne comprend pas quelle est la revendication euh, autre irrégularité parce que ça a été présenté comme, euh, comme étant s'étant déroulé euh, le vendredi hein, ou le samedi, mais euh, là, ce que dit donc le procureur au JDD, il dit ce n'est pas dans la journée du vendredi ni dans la nuit précédente. Cela peut remonter à plusieurs jours. Hein, vous voyez, déjà. Regardez une autre... Si quelqu'un avait voulu que tout s'embrase, il lui suffisait de jeter euh, la torche à travers la vitre. Voilà donc les photos que Richard Ferrand il avait euh, postées et regardez ce qu'il avait écrit. Rien ne justifie les intimidations, rien ne justifie les violences et les dégradations. Voilà, on n'a pas l'impression que ce soit vraiment une maison de de, on va dire de sa stature euh, en tout cas financière. Bon, donc il y a plusieurs euh, zones d'ombre, hein, comme toujours, vous attendiez à quoi ces gens-là, la manipulation et le mensonge, c'est dans leur sang. Allez, je vais vous saluer et en même temps vous dire au revoir, comme ça, ça sera fait en une fois, mes chers amis. Euh, alors, bon, ben, bah, hop. Toi, je ne vais pas te citer le, le, mena, le menaceur. Hein D'ailleurs, je renouvelle ma, ma demande à Russia Today France, RT France, mais tous les autres médias. Je suis menacé, moi aussi, comme la Zineb, comme Zemmour, comme tous ceux que vous passez dans les médias en disant, si on le passe, c'est parce qu'il est menacé. Mais regardez, je suis très, très menacé. Donnez-moi la parole, donnez-moi la parole. Contactez mes chers amis. Russia Today, euh, RT France, vous, vous trouvez son, son site internet très facilement. Que, que ce soit vous les appelez, mais surtout vous leur envoyez un mail en disant, pouvez-vous donner la parole à Medim Nawar? Pouvez-vous? Parce que là, ce jeu-là, il commence à durer. Les Russes, vous, vous voulez nous aider ou vous voulez pas nous aider? Parce que vous aussi, vous sélectionnez. Vous me connaissez très bien. Hein, vous me connaissez très bien, je me suis présenté aux législatives. Vous avez même repris euh, quelques-uns de mes tweets. Vous me connaissez. Donc donnez-moi la parole. Hein, je vous ai contacté, je vous ai envoyé des mails, je vous ai appelé. Donnez-moi la parole. Donc allez. Antolori, bonsoir. Nabila Gomes, bonsoir. Et bon bah alors on ne va pas perdre de temps. Antolori, euh, bonne nuit, du coup. Nabila Gomes, bonne nuit. Steve O'Bacon, euh, bonsoir et bonne nuit. Euh, Joe Cool Raoul bonsoir et bonne nuit. Mathilde Aziza des Carvalho bonsoir et bonne nuit. Euh, Mélanie Casas Pat Patou Joe Cool Raoul euh, bonsoir et bonne nuit. Euh, alors Subtil Ben euh, ma chère amie comment tu vas bonsoir et bonne nuit bon ben n'aurai pas le temps de voir ta réponse. Catherine de Bavellaire, bonsoir et bonne nuit. Cindy Goncalves Costa, mon ami, bonsoir et bonne nuit. Katia Van Fennel, euh, bonsoir et bonne nuit. Euh, Stivo Bacon, bonsoir et bonne nuit, mon ami. Tiens, Elise Cuté, ma chère amie, bonsoir et bonne nuit. Euh, Ch Francis, bonsoir et bonne nuit. Marie-Jo Kamalbens euh, euh, Annie Isabelle, Sabine Duperche, bonsoir et bonne nuit. Euh, tiens, mon cher Gilbert, Olé-Olé, euh, Kevin Keys, bonsoir et bonne nuit. Euh, Qu'est-ce qu'on a ici Ida Vickersheim, euh, bonsoir et bonne nuit. Sabine, je t'ai cité, Felice, Valérie, bonsoir et bonne nuit, alors Dikembe Matombo, bonsoir à toi et bonne nuit, Johanna Duvivier et, et euh, David Ressasser, bonsoir et bonne nuit, Tiens, on a exceptionnellement, c'est la deuxième fois que ça arrive, quelqu'un sur Twitch, euh, quelqu'un sur Twitch qui était là tout à l'heure. Donc it's go, it, it's G1. Go uh, it's gone. It's gone. Salut à toi, hein, tu m'écris salut. Hein, c'est important d'informer les jeunes, les petits jeunes d'entre nous, Twitch, c'est une plateforme pour jeux vidéo. Hein. Donc, ils doivent être un peu sur le cul de, de tomber sur de telles émissions, euh, donc, politiques et d'analyse et, et de décryptage. Mais c'est tant mieux. Les jeunes, on compte sur vous. Hein. vous Peut-être c'est vous, la future graine, la graine qu que je suis en train, à travers mon travail, de semer aujourd'hui, qui va nous libérer euh, un jour. Allez! Sophie-Marie Dubois, Marie-Lefebvre-Tavernier, Will Wilson, bonsoir et bonne nuit. Allez, hop. Alors, est-ce que... Euh, Nathalie Gauthier Serviol, je ne sais pas si je t'ai salué. Marie-Jo. Euh, bonsoir et bonne nuit les amis. Qui d'autre Alors, non, 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 non. est-ce que j'arrive à la fin J'espère ne rater personne. Euh, qui okay, je n'ai pas vu. Ok, très bien. J'ai fait... Euh, J'ai traversé donc tous les commentaires. Très bien. Eh bien, mes chers amis, écoutez, euh, on va s'arrêter là. Je trouve que c'est très raisonnable. Hein, il est 1h10. Euh, mes chers amis, je vous souhaite hein, à toutes et à tous... Les personnes que j'ai citées et toutes celles que je n'aurais pas citées et toutes les personnes qui vont me regarder en différé. Hein. Je vous souhaite une bonne nuit. Pour les autres, une bonne journée. Peut-être même une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous me regardez. Euh, je vous donne rendez-vous comme d'habitude euh, ce soir, donc euh, le soir de, de, de mercredi. Hein. Hop. Donc le mercredi 13. Je vous donne rendez-vous à ce soir, comme d'habitude, et bien entendu, vous savez très bien, beaucoup d'entre vous sont sur mes groupes Messenger. Ceux qui ne le sont pas, je vous invite à cliquer sur le lien pour aller donc, sur ma, mes groupes Messenger. J'ai fait une espèce de pyramide, et vous savez que je passe la journée à interagir avec vous, à discuter avec vous, et c'est extrêmement enrichissant. À vous donner aussi les petites infos. Allez, mes chers amis, euh, je suis content de vous, j'ai été content de vous retrouver comme tous les soirs. Et franchement, c'est un réel bonheur, je vous assure, sinon je, 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 je ne le ferai pas. Euh, c'est un réel bonheur de voir que vous êtes aussi de plus en plus nombreux. On revient un peu sur euh, ce qui se passait sur mon compte principal avant qu'il ne soit censuré. Là, vous étiez, j'ai vu un peu plus de 40. Et là en on, 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 on clôture d'habitude quand on clôture vous êtes extrêmement peu et ben là vous êtes plus de, plus de 20 et bien ça fait plaisir hein. c'est que euh, la, la, la censure euh, n'arrive pas n'arrive pas à gagner totalement la censure n'arrive pas à avoir totalement hein, euh, ma peau notre peau alors je ne dis pas que nous sommes plus forts hein. elle gagnera. Elle gagnera, et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'il est extrêmement urgent et important d'en prendre conscience, et que la révolution aille jusqu'à termes. terme. cent termes c'est pas le ric, le pouvoir d'achat et toutes ces conneries. Sans termes, c'est qu'on reprenne vraiment, définitivement, notre liberté. C'est qu'on nettoie toutes nos institutions gangrénées par la franc-maçonnerie. Et puis, on a, il y a plein d'autres revendications à, à à accomplir les placements abusifs d'enfants il y a plein d'autres revendications et la revendication que je vous ai proposée que je n'arrête pas de vous proposer le f magnifique le fameux revenu universel on vivrait une période d'épanouissement de, de, hein, personnel économique euh, et de jouissance euh, formidable pour tout le monde hein. même euh, à mon avis mieux que les 30 glorieuses c'est les 30 glorieuses, pour ceux qui ne savent pas, c'est les 30 ans qui ont suivi la fin de la guerre, où c'était l'extase parce qu'effectivement, il y avait moins de monde et plus de, plus de moyens. Bon, mes chers amis, bonne nuit à toutes et à tous. Allez, bonne nuit mes chers amis.